Grosse peur pour bébé loup. Un cri dans la nuit. Papa loup se lève, à moitié endormi, et se dirige à pas feutrés vers la chambre de son petit. Il allume la lampe de chevet. Pourquoi pleures-tu comme cela? Demande-t-il à son fils en s'asseyant sur le lit à côté de lui. J'ai eu peur. J'ai fait un cauchemar. Mais de quoi as-tu peur, bébé loup? Un petit garçon? Quel petit garçon? Je suis sûre qu'il y a un petit garçon caché sous mon lit. Il va me sauter dessus dès que tu auras éteint la lumière. Comment est-il, ce petit garçon? Il est tout rose. Il n'a même pas de poils sur le corps. À la place des griffes, il a des ongles taillés. Il a des dents toutes petites et bien limées. Quelle horreur! Comment peux-tu avoir peur d'un petit garçon aussi inoffensif? Il n'a rien de rien comme cela, mais il me tirera la queue dès que j'aurai le dos tourné. Il me sautera dessus dès que je me serai endormie. C'est un vrai garnement. Papalou se penche et regarde sous le lit. Il dit: Je ne vois rien là-dessous. Il n'y a pas plus d'enfants roses que de moutons. Papalou se relève et vient border bébé loup. Maintenant que tu sais qu'il n'y a pas d'enfant terrible dans ta chambre, tu vas pouvoir te rendormir sans crainte. Non, je ne retrouve plus Choupinet. Choupinet est la peluche préférée de bébé loup. Tu es sûr qu'il n'est pas avec toi? Oui, j'ai regardé partout et je ne l'ai pas trouvé. Papalou jette rapidement un œil derrière le lit et sous le placard. Mais Choupinet reste introuvable. Il n'y a qu'un endroit où je n'ai pas osé chercher, avoue bébé loup. C'est sous mon lit, j'avais trop peur du petit garçon. Tu veux bien regarder encore une fois? Et vérifie bien qu'il n'y a toujours pas de petit garçon. Papa loup se penche encore une fois, mais il ne trouve ni peluche, ni petit garçon. Quand il se relève, il aperçoit une bosse dans le lit de bébé loup. Il passe son bras sous l'édredon et en ressort Choupinet! Papa loup se moque gentiment de bébé loup. Tu l'avais sous ton nez, gros malin! Bébé loup serre fort la peluche contre sa joue et lui murmure à l'oreille: Mon choupinet trésor, j'ai trop peur quand tu ne dors pas contre moi. Rassuré, bébé loup s'endort avec Choupinet dans les bras. Et papa loup peut enfin retourner et se coucher.